Hey Frenchies! Alors bienvenue! Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va manger des sushis. Et donc, à la demande générale, vous avez été plusieurs à nous demander de manger des sushis. Du coup, on va manger des sushis. En jus, on a des ramunes. Alors, moi, j'ai ramune prune. Et moi, j'ai ramune. Letchi pour Sephora. Oui. Donc, voilà. Et je vais commencer par les ouvrir et je vais faire les... J'ai toujours pas compris votre technique, les gens. Donc, vous inquiétez pas si je crie que c'est tombé par terre et ça a coulé. Bon, il faut prendre ça, là, et l'enfoncer là-dedans, là. Comme ça, là. Oh, yo. Ah! Ça coulait? Bah oui. Ça coule tout le temps. Ça coule toujours. Je comprends pas. Les gens, vous dites, oui, il y a une technique spéciale pour faire. Je comprends pas, moi. Ça coule toujours. Ça coule sur le bout. Bon, pour Sephora, c'est fait. Cheers. Cheers. Je vais commencer par faire les... Shout-out. Parce que vous aimez les... Shout-out. Et que nous aussi, on aime bien vous faire les... Shout-out. Alors, premier shout-out pour... Tu veux dire? Premier shout-out pour Cookie LOL. Shout-out pour Awatif Mida. Shout-out pour Summer Montagne. Pour Sabrina Sogona. Shout-out pour Mamou 976. Et pour Camille Buche. On vous aime tous très fort. Bon appétit. Pourquoi ils ont dit Buche dedans? Parce que c'est ça son nom de famille. Et bien sûr, ça fait longtemps que vous ne les avez pas vus, mes baguettes qui s'allument. J'en suis ton père. On en a plein. Oui. Alors... Là, nous avons, je prends la même chose que Sephora. Moi, ça, je vais vous montrer. Moi, c'est parce que je veux pas du surimi. Alors, ce que Sephora a pris, c'est ça. Dedans, il y a poulet avocat. Et on a notre petite sauce soja là. C'est bon, hein? J'en fous de ça. C'est un auton. Et j'ai un truc à vous raconter, les gens, c'est pas possible. Ça fait plusieurs nuits qu'il y a des abonnés, je crois que c'est des filles, des gamines, quoi. Elles appellent sur le fixe, genre à 22h, 23h. Moi, forcément, je suis là. Je vois un numéro masqué ou indisponible. Je décroche. Oui. Oui madame, vous avez gagné, non, je vous rappelle, pour confirmer le rendez-vous que vous avez pris pour faire un lifting. Je lui dis, c'est pas possible. Elle me dit, bah si, on vous a, mais on a votre numéro, mais on n'a pas votre nom. Est-ce que vous pouvez me dire votre nom? Je dis, déjà d'une, je suis trop jeune pour me faire un lifting. Ouais, j'ai 28 ans, je vais avoir 29 ans, je vais faire quoi avec un lifting? Et après de deux, dis seulement que tu vas voir mon nom. Sur ce, elle a arrêté de parler. Il y avait d'autres filles qui étaient en train de rigoler derrière. Et après, pas raconté. J'ai pas compris. Je suis mis dedans. J'ai l'enlevé. Bah t'as juste à faire ça. Tu veux pas le surimi? Ouais, on veut pas. Bah t'aimes ça pourtant le surimi? T'aimes ça toi? Mais y'a que maman qui aime pas, c'est pas toi qui aime pas. Toi t'aimes bien le surimi? Hein? Bah oui. Ah oui c'est vrai, je l'ai mangé. Je copie sur maman. Maman y'a des trucs qu'elle aime pas, mais y'a des trucs que toi tu aimes. Ah, j'aime bien le surimi. Il était bon. Pareil, une autre fois c'était pareil. Pareil, ça sonnait à 22h, 23h. Je décroche. Et là ça fait... Hé hey, madame, vous êtes rien à une Sephora? Comment? Ils ont eu le numéro de fixe.
Je sais pas. J'ai... Celui-là, il est que concombre. Pourquoi ça arrive pas à voir, à zoomer, j'en sais rien, moi. Celui-là, c'est que concombre. Bon, le truc, il a pas envie de zoomer aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, tant pis. Oui, moi aussi, je sais pas pourquoi ça veut pas zoomer. Ah bon? Ouais. Mmh. C'est sûr? Hein? C'est sûr? Mmh. Mmh. Tu verras, j'ai une surprise pour toi. Alors, tu dois pas dire que t'as une surprise pour moi. Ah bon? Oui. Donc, t'as une surprise, il faut pas dire qu'on a une surprise. Voilà. Ouais, mais moi, je suis une noire, je suis une sauvage. Donc, je te dis que j'ai une surprise pour toi. Hé! Hey, hein? Je suis une sauvage! J'ai quoi alors? Tu sais pas? Je suis quoi? C'est une gentille maman qui n'est pas laide et qui n'est pas sauvage. Ah, il est bon! Ah, la prune. Attends, je goûte le tien. Oh, il est bon aussi! Au lait de chi. C'est bon, hein? Ouais! Super, hyper bon. Super, hyper bon? Ah! Ouga, ouga! C'est qui veut ouga, ouga? Je sais pas. Goulou, goulou, banane. Chita! Alors, je vous explique. Goulou, goulou, banane, d'où ça vient? Avant, j'étais à La Réunion. Et je suis arrivée en métropole, en France métropolitaine. J'avais genre 10 ans, 9-10 ans. Et donc, je suis arrivée au CM2. Et du coup, il y a des petits jeunes de ma classe. Je crois qu'ils n'avaient jamais vu de noir ou je sais pas. Et du coup, quand je suis arrivée dans la classe, t'en as un, Vincent Trassard. Tracard ou Trassard? Trassard. Il m'a dit, ah, une noire. Elle va faire goulou goulou banane. Je veux manger des bananes. Tous les jours des bananes. Je les ai dégommés. J'étais la noire qui frappait les gens. Please don't judge me. T'es sérieuse? T'étais la noire qui tapait les gens? T'es comme moi? Moi je tapais les gens à chaque fois à l'école. Toi tu tapes les gens dans l'école privée? Mais dans l'ancienne école là, c'était des petits wesh, ils te tapaient, hein? Ah, ah. Ils te maltraitaient. Ils te défonçaient. Même Louisa. Mmh. Mais maintenant, elle a arrêté. C'est devenu ma meilleure copine. C'est devenu ta meilleure copine? Ça fait un an que tu l'as pas vue? Ça fait un an, mais c'est ma meilleure copine. Mmh. Je crois que c'était Adèle. Ou Wassila. C'est pas Wassila ta meilleure copine? Si. C'était. J'en ai plein de copines. J'en ai plein, alors surtout. Elles ont accepté d'être tes copines? Oui. Elles ont dit quoi? T'as fait comment pour leur demander? Qui? Pour leur demander qu'elles soient tes copines, t'as fait comment? Louisa? Oui. À toutes tes amies, comment t'as fait pour leur demander qu'elles deviennent tes copines? En fait, je l'ai dit gentiment. J'ai dit gentiment, j'ai fait une petite voix. Et aussi, j'ai pas tapé. Et après, voilà, c'est mes copines. Et après, maintenant, tu les tapes tous. Je vais pas taper mes copines, hein. Ah. Pourtant, la maîtresse, elle me dit que tu tapes tout le monde à l'école, hein. Que t'arrêtes pas de taper, pousser. Mais pas à l'ancienne école. Ah ben, dans l'ancienne école, c'est sûr, tu pouvais pas les taper puisqu'ils te tapaient. Ah. Maman, elle est obligée de te dire, si tu veux pas qu'on te tape, tu dois rendre. Mais oui, ouais, mais maintenant, c'est toi qui ramène des trucs de wesh dans l'école privée. C'est interdit de taper et toi, tu vas taper. Quand ils vont te virer de cette école, même là-bas, je vais te remettre dans l'école publique. Ils vont bien te boxer. Y'a quoi? On dirait une goulou goulou banane avec tes grosses bouches. Pourquoi j'en prends toujours
autant des sushis, après mon ventre il est plein, j'ai même pas encore mangé la moitié. Mmh, c'est bon. Il picote? Non. Ah oui, un peu. Aide. Hey, comment vous faites pour ça, reconnaître un pitaya rouge, intérieur rouge, d'un pitaya rouge, intérieur blanc? Parce que moi, franchement, j'en sais rien. Tout à l'heure, je suis partie prendre des pitaya. C'était écrit sur l'étiquette pitaya rouge. C'était 15,99€ le kilo. Du coup, j'en ai pris deux. Et là, je suis dégoûtée. J'en ai pris un. Je l'ai ouvert. Le truc, il est blanc. Oui, je l'ai pas ouvert, machin. Il est blanc, le truc. Et les blancs, ils ont pas de goût, franchement. Ils sont pas sucrés. Ils sont voilà, quoi. Ils sont vite faits, franchement. Ce truc-là, il m'a coûté 4,75€, juste ça. Et il est pas sucré. Moi, je trouve qu'il est bon. Bah, c'est toi qui vas le manger. Bon, pour moi, je prends le dernier sushi, après j'ai plus faim, parce qu'en vrai, là... J'en prends deux et après, c'est fini. Je vais regarder la télé en mangeant. C'est bon, Jérémy. Ah, mon ventre est plein. Comme dirait mémé, ça te l'est dedans, les pas dehors. Regarde la tête. Bon. Ça y est, moi j'ai fini. On va garder tout ça pour tout à l'heure en regardant la télé. So, guys, hope you enjoyed this video. If you like this video, please give us a big thumbs up. Leave a comment. Down below. And subscribe. And don't forget to hit that bell button, guys. See you next time. Bye.